Ça fait déjà 25 ans que Carmen Sandiego fait le tour du monde pour affiner son art du cambriolage. Et une fois de plus, elle va démontrer son expertise en matière de grande arnaqueuse du jeu vidéo. Dans la peau de Julia et Adam, deux enquêteurs du dimanche Ramolo du cerveau, vous allez devoir poursuivre cette friponne de Carmen aux quatre coins du monde à la recherche des trésors de l'humanité. Sauf qu'au lieu de sillonner des destinations de rêve, on se retrouve à errer dans des décors en carton-pâte, incroyablement cheap, genre les feux de l'amour. À la limite, pourquoi pas, si au moins c'était pour se prendre la tête de façon intelligente, sur des énigmes amusantes. Mais même pas, les puzzles sont tellement hallucinants de niaiseries qu'on se demande si les développeurs ne nous ont pas pris pour des cons. Bref, ça ressemble à un jeu d'enquête malabar sauce miel et les abeilles, et en plus, ça dure à peine plus de 2 heures. Ça fait cher pour les aficionados de la DS, mais ça fera sûrement l'affaire pour nos chères têtes blondes. Allez Carmen, un lait chaud et au lit.